senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 euro al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve.
piano Easy Smart a canone zero anziché a 3,90€ al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca.
La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Siamo. Me lo ricordo. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui au lycée Berger à 9h du matin, le premier jour d'école. C'était en octobre 1954. Je me souviens du sentiment que j'avais lorsque je montais les quelques marches d'entrée de l'école. C'était la naïveté d'un enthousiasme, d'une légèreté qui m'avait fait laisser la route de l'enseignement de la théologie, que pourtant j'aimais beaucoup, au sein du séminaire de Venegono, pour pouvoir aider les jeunes à redécouvrir les termes d'une foi réelle. Giussani, c'est une citation de Giussani. Et Giussani se regardait à nouveau, se revoyait à ce moment où il commençait l'école. Il se revoyait à cet instant précis avec tout son cœur. Il disait tout son cœur, rempli du fait que le Christ est tout pour la vie de l'homme. Cela, ces jeunes qui avaient oublié ou qui ne connaissaient pas le Christ, avaient besoin de s'entendre dire cela. Et ceci était les sentiments que Giussani vivait à ce moment-là. Je me souviens le premier instant où je suis rentrée dans l'école, le moment où le mouvement a commencé. Tout le monde était divisé. C'est comme s'ils étaient tous étrangers. Et cependant, je les aimais tous. Aimer, ça veut dire avoir la passion pour le destin des autres. Donc, bienvenue à cette rencontre sur le génie pédagogique de Don Giussani, qui a sa source, son origine, à ce moment-là, sur ses premières marches du lycée Berger, il y a environ 70 ans. Nous avons un ami qui est connecté avec nous depuis les États-Unis, qui est présent avec nous à travers le web. Je passe le bonjour donc à Timothy O'Malley. Je l'appellerai Tim parce que tout le monde l'appelle comme ça là-bas. Il est né en 1982. Il est professeur à la Notre Dame University en Indiana, où il est professeur du Centre pour la théologie. Sa recherche va
de la théologie sacramentale à l'esthétique théologique, du catéchisme à la philosophie de l'éducation. Et vous pouvez voir à mes côtés Monica Scholz-Zapak, que je salue également, qui est professeure de sciences linguistiques à l'Université de Fribourg à Breisnau. Et ses intérêts de recherche sont l'anthropologie culturelle et des aspects relatifs de la philosophie du langage et de l'anthropologie philosophique. Et enfin, je passe le bonjour aussi à Carmine Di Martino, que beaucoup d'entre vous connaissent en tant que Dima, qui est professeur ordinaire de philosophie morale à l'Université degli Studi de Milan. Et dans sa recherche, s'est occupé de la philosophie de Husserl, de la philosophie de Heidegger, de la philosophie française contemporaine et du pragmatisme et de la philosophie anthropologique. Et donc, nous lui avons demandé de nous introduire ou d'approfondir, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà, quelques aspects du génie pédagogique de Don Giussani. Mais retournons un instant à Giussani, qui monte ses premières marches du lycée Berchet il y a 70 ans. J'oserais dire que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont reconnaissants et sont débiteurs envers ce prêtre qui montait ses marches et qui était animé par l'affection pour ces jeunes qu'il a commencé à aimer dès la première heure de leçon et auquel il a tout de suite exprimé ses intentions dès les premiers instants. Il leur disait, je ne suis pas ici pour que vous reteniez les idées que je vous donnerai, que je vous exposerai, mais pour vous enseigner une méthode vraie, afin que vous puissiez juger les choses que je vous dirai. Et les choses que je vous dirai sont l'expérience, qui sont le fruit d'un long passé qui a duré 2000 ans. Et voilà, cette méthode a caractérisé dès le début l'engagement éducatif de Don Giussani. Et donc, le 15 octobre 2023, face à une place Saint-Pierre pleine pour les 100 ans de Don Giussani, le pape François a dit « Don Giussani avait une capacité unique d'enclencher une recherche véritable du sens de la vie dans le cœur des jeunes. Il avait une capacité unique de réveiller leur désir de vérité. » Dans le tout premier texte que Don Giussani a publié en 1955-56, il écrivait « Il y a surtout un phénomène qui attend et qui se cache sous l'arc vibrant de la vie humaine. C'est le ressort de la vie humaine, c'est le phénomène du désir qui incarne l'attractive profonde à travers laquelle Dieu nous appelle à soi. Et l'insistance qu'il avait sur ce point était justement la chose qui le rendait sympathique aux gens qu'il rencontrait. Pour cela, dans la nouvelle édition du Sens religieux, écrite par Jorge Mario Bergoglio, le pas encore pape écrivait « Pour un homme qui a censuré la demande de son cœur, le fait de lui parler de Dieu apparaît comme quelque chose qui n'a aucune incidence sur la vie. »
comme quelque chose d'aride. Pour cela, nous ne pouvons pas parler de Dieu. On ne peut pas commencer un discours sur Dieu si d'abord on ne dépoussière pas les cendres qui se sont accumulées sur le cœur, sur les interrogations fondamentales. Et pour cela, le pape a reconnu que Don Giussani était un maître, un professeur qui sollicitait toutes les inquiétudes que l'être humain rencontre dans sa vie. Et il nous a dit que l'Église reconnaît son génie pédagogique et théologique. Et donc, c'est de là que nous avons pris le titre de cette rencontre et que nous avons voulu mettre au centre ce thème du génie pédagogique de Don Giussani et qui concerne un des thèmes fondamentaux du risque éducatif d'aujourd'hui, du défi éducatif d'aujourd'hui. C'est un défi qui concerne tout le monde, mais combien d'entre nous en sont conscients? L'année dernière, le pape avait lancé l'idée d'un pacte éducatif, d'un pacte sur l'éducation qui, pour tout le monde, les institutions publiques et privées. Et la pandémie nous a fait émerger ce problème que nous avons dans la société et a remis au centre la question de comment éduquer. Et pour cela, nous avons invité trois personnes qui, de façon différente, ont rencontré cette proposition, cette provocation de Don Giussani et nous leur avons demandé de nous raconter en quoi consiste pour eux cette génialité, ce génie dont parle le pape. Donc, nous commençons par Timmy O'Malley, qui à Chicago, où je l'avais rencontré en 2019 pour une rencontre sur la vie de Don Giussani. Il avait raconté alors l'aventure qu'avait été pour lui lire le sens religieux de Don Giussani, dans lequel il avait perçu une méthode intéressante pour faire face à la crise éducative catholique dans son pays. Donc, écoutons ce qu'il va nous dire. Merci. Merci et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être parmi vous à Rimini. J'aurais vraiment voulu venir depuis les États-Unis et être présent parmi vous, mais c'est la première semaine de cours ici aux États-Unis et j'ai vraiment besoin et envie d'être parmi mes étudiants. J'ai ces 260 jeunes qui m'attendent et c'est vraiment par eux à partir d'eux que je veux commencer. Ces dernières années, ils m'ont lancé un signal qui doit être considéré. Ils souffrent d'une angoisse profonde. Ils ont l'angoisse que chaque examen qu'ils devront faire, chaque test, déterminera complètement leur futur. Ils ont l'angoisse de leur futur, de trouver un amour, une amitié qui soutiendra toute leur vie. Et c'est une angoisse qui domine tous les aspects de leur vie, leur interaction, leur activité, leurs études. Une grosse partie de l'urgence éducative que nous vivons est dominée par cette anxiété, par cette angoisse, et qu'on peut trouver déjà dans les jeunes qui ont 6 ou 7 ans. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Depuis que j'ai lu pour la première fois le risque éducatif de Don Giussani et le sens religieux, ces textes ont été fondamentés pour former mon opinion sur la crise éducative dont nous souffrons. Et j'aimerais faire face à 3 aspects que j'ai trouvés dans la pensée de Don Giussani. Donc, tout d'abord, le fait que la situation d'éducatif trouble notre capacité de nous poser des questions transcendantes. Deuxièmement, la crise éducative actuelle est une absence d'appartenance intellectuelle.
les jeunes n'ont pas de point de référence intellectuel, ils n'ont pas une tradition pleine de sens qui peut donner sens à leur existence. Et troisièmement, cette crise éducative semble effacer la possibilité de leur liberté humaine. Donc, commencer par cette éducation éducative qui trouble la capacité de se poser les questions transcendantes. Dans le sens religieux, Jussan y décrit la capacité religieuse de cette façon. Le facteur religieux représente la nature de notre moi qui s'exprime à travers certaines questions. Quel est le sens ultime de l'existence? Ou bien pourquoi la douleur et la mort existent-elles? Pourquoi vaut-il vraiment la peine de vivre? Ou d'un autre point de vue, de quoi et pourquoi la réalité est-elle faite? Voilà, c'est au niveau de ces questions que le sens religieux entre la réalité de notre moi. Il coïncide avec cet engagement radical de notre moi face à la vie qui se manifeste dans ces questions. Dans les chapitres suivants, Jussani identifie différentes façons dont nous pouvons vider ces questions ou bien les réduire à une idéologie qui nous éloigne de l'aventure de faire face à la réalité. Quand j'apprends cela à mes étudiants, souvent je les défie sur... je leur demande de penser à toutes les façons dont ils actualisent ces réductions. Mais mes étudiants n'ont pas le problème d'être athées ou d'être dans une idéologie communiste, mais ils ont une incapacité à réfléchir au sens de ce qu'ils ont face à eux. Ils souffrent de ce que le pape Benoît XVI appelait un athéisme pratique. Oui, ils veulent un travail, oui, ils veulent un amour, ils veulent une famille heureuse, mais rarement ils réfléchissent sur les questions plus profondes qui sont derrière tous ces désirs. Quel genre de travail pourrait me permettre de vivre une existence humaine épanouissante? Qu'est-ce que l'amour et comment puis-je savoir lorsque je l'ai vraiment trouvé? Et que signifie avoir une famille, par exemple? Bien sûr, ils savent se poser ces questions, ils sont capables de se poser ces questions, mais j'ai l'impression que souvent, leur anxiété vient du fait qu'ils ne se sont pas posé la question qui vient de leur cœur. Simplement, parfois, ils n'ont pas eu le temps de le faire parce qu'ils sont dans cette société frénétique. Ils doivent travailler jour et nuit. Ils doivent déjà avoir leur plan à long terme. Et dans les étudiants qui sont encore plus émarginés, qui ont des situations difficiles, ils ont encore moins de temps de se poser des questions. Une solution éducative à ce dilemme serait celui de ralentir le rythme. Et donc, au lieu de participer à cette culture frénétique qui ne réfléchit pas, est-ce que nous pourrions créer des systèmes éducatifs où notre effort se base sur cette contemplation et cette recherche? Deuxièmement, nous avons dit que ces jeunes n'ont plus d'appartenance intellectuelle. Le texte « After Virtue » d'Alasdair MacIntyre est une invitation à reconnaître la qualité de toute notre histoire. S'il n'y a pas de tradition à travers laquelle nous donnons un sens à toute notre expérience, alors nous devenons comme des sans-abri intellectuels. Et ça, on le voit surtout lorsque on affronte les textes, on lit ensemble les textes du passé. Parce que quand on lit des textes antiques, pour mes étudiants, même des textes qui ont été écrits il y a 5 ans, ce sont des textes qui n'ont aucune valeur parce qu'ils ne parlent pas du présent. Pour eux, c'est quelque chose d'inutile. Ils n'ont pas de tradition qui leur permet d'affronter leur présent, de comprendre leur présent. Et
D'ailleurs, même les étudiants qui sont catholiques de tradition, eux non plus, ils ne sont souvent pas capables de reconnaître le sens de cette tradition catholique. Ils pensent que c'est seulement une doctrine, un enseignement qui leur permettra de se protéger des périls de la modernité. Mais Giussani écrit dans Le risque éducatif, cette tradition joue pour les jeunes le rôle d'hypothèse explicative de la réalité. Il ne peut y avoir de découverte, c'est-à-dire d'avancée, de contact avec la réalité née de la personne, s'il n'y a pas une idée précise de signification possible. L'hypothèse de travail, au fond, représente la certitude que l'on a du positif de ce qu'on entreprend, positif sans lequel rien ne bouge, rien ne se conquiert. On ne peut alors avoir ce jaillissement de découverte, cette suite merveilleuse de progrès, de contact qui définissent le développement et l'éducation d'un être. Si on réduit l'éducation à la lecture de textes antiques, nous commettons une erreur parce que oui, le présent part de notre condition d'être humain. Nous vivons dans l'ici et maintenant. C'est pour cela qu'un étudiant devrait se demander pourquoi est-ce que c'est intéressant de lire Saint-Augustin ou Simone Weil. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire aujourd'hui? Et le devoir de l'éducateur, c'est vraiment de poser ce thème de la totalité de l'être. Ces figures, ces personnes nous parlent parce qu'ils nous proposent quelque chose, ils nous demandent un jugement sur la signification ultime des choses. Et donc, le défi que nous avons face à ces textes de la tradition, c'est parce que nous avons perdu l'idée que lire, par exemple, Platon, les textes de Platon, par exemple, nous proposent une hypothèse que nous pouvons vérifier. Il nous faut des éducateurs qui soient aussi des philosophes qui nous proposent une hypothèse qu'on doit vérifier. Ces éducateurs doivent non seulement comprendre l'histoire d'un penseur, mais ce doit être des personnes cohérentes qui vivent et qui mettent eux-mêmes en œuvre cette hypothèse de travail. Et pour conclure, souvent, mes jeunes ont l'impression de ne pas être libres d'agir. Souvent, dans le cours prématrimonial, nous parlons des rencontres, des fréquentations sexuelles que les jeunes ont aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas des relations comme ça éphémères, mais se sentent sans pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de fuir des situations difficiles comme des violences domestiques, etc. Ils sentent qu'ils n'ont pas de liberté. Et alors, c'est pour ça qu'il est important de remettre au centre cette liberté de l'homme, cette capacité de rejoindre son propre destin, cette aspiration totale à son destin. La véritable aventure de la vie, c'est de comprendre que nous ne sommes pas bloqués, que nous avons une vie intérieure où nous pouvons imaginer un monde différent qui est caractérisé par le dialogue et par l'amitié et qui n'est pas dominé par la violence. Le pape François a parlé de ce destin en tant que vocation. Ce que nous faisons a un sens. Il a un sens transcendant. Et c'est une réponse de gratitude envers le mystère de l'existence elle-même. Et de fait, cette culture nouvelle que nous sommes invités à créer en tant qu'éducateurs, il ne suffit pas de demander à nos élèves de se poser ces questions, mais nous devons nous jouer avec eux dans cette aventure de la vie elle-même. En tant qu'éducateur, je suis très attentif aux idées de mes étudiants,
à leur réaction par rapport aux hypothèses que je leur ai données en classe. Ils ne veulent pas seulement quelqu'un qui pense avec eux, mais ils veulent vraiment quelqu'un qui se fasse compagnon de leur vie. Et dans l'anxiété qu'ils vivent souvent, il y a une solitude qui les paralyse. Et donc un éducateur devrait travailler aussi avec les familles, avec les apostolats, pour nous rappeler que nous ne sommes pas tout seuls face à notre destin, mais qu'ensemble nous pouvons être face à notre destin et nous poser ces questions, l'affronter. Merci. Grazie Tim per il tuo contributo. Tim, merci pour ta contribution. Don Giussani a été véritablement pour des milliers de personnes et il continue à l'être mystérieusement aujourd'hui encore, ce compagnon de route auquel on peut faire confiance dans le chemin vers la réalisation de soi. Et c'est peut-être l'un des traits de son génie. Monica, aide-nous à entrer dans ce mot que le pape a choisi pour qualifier la proposition de Giussani lorsqu'il employait le terme « génie pédagogique ». Bonjour et merci pour cette invitation. Je vous confesse que je tremble un petit peu parce que ce n'est pas seulement un thème que nous devons affronter, mais l'œuvre d'une vie, le sacrifice d'une vie. Donc c'est très la reconnaissance du pape François est très touchante pour cela. Et en effet, dans cette affirmation qui dit que l'Église reconnaît le génie pédagogique et théologique de Giussani, le mot génie a attiré mon attention. Et c'est de ce terme que je voudrais partir comme perspective pour m'aventurer un peu plus dans la genèse de certains des contenus qui décrivent la pédagogie de Don Giussani. Normalement, le terme génie éveille des images telles que l'originalité, l'énergie, la créativité, le caractère extraordinaire. Et il est vrai que Giussani a été une personne extraordinaire. Et pourtant, c'est comme si toutes ces images ne suffisait pas pour restituer le sentiment d'au-delà que nous percevons lorsque nous utilisons le terme de génie pour Giussani. En effet, comme le dit la suite de la phrase du pape François, il s'agit d'un génie déployé à partir d'un charisme qui lui a été donné par l'Esprit-Saint pour l'utilité commune. Donc l'interrogation, c'est quel lien y a-t-il entre le charisme et le génie? Et comment se déploie un charisme? Un charisme est un don que Dieu dispense librement selon ses plans bienveillants. Mais ce don, c'est aussi l'appel vivant à vivre une relation. L'appel vivant à une mission qui s'incarne dans une forme et un contenu. Donc, une dynamique d'appel et de réponse. Une réponse qui n'est pas donnée seulement au début, mais pendant toute la vie. Il n'y a rien de mécanique dans ce déploiement, rien qui n'aille de soi, comme s'il s'agissait de dérouler des prémices. Charisme et génie, chez Giussani, sont étroitement liés. Le charisme lui-même, pour utiliser un terme de Giussani, est un événement que seul un génie peut accueillir et façonner. Voilà pourquoi je voudrais élargir l'horizon du sens de ce qu'est pour moi le génie chez Giussani, pour essayer de montrer ce déploiement comme un dialogue profond, comme la vertu d'une amitié, concrètement et essentiellement inépuisable. Parler de génie chez Giussani, ça signifie avant tout parler
d'un style de vie, d'une disposition, d'une attitude, le dira Don Giussani en 1998 à Rome, lors de la rencontre des mouvements avec Jean-Paul II. Une attitude faite d'un dialogue serré, ce dialogue vivant que l'on pouvait percevoir dans son regard lorsqu'il fixait une personne, en essayant de comprendre non seulement quelle était la destinée de cette personne, mais en essayant en même temps de comprendre ce que Dieu, à travers cette personne, à ce moment-là, lui disait à lui. L'une des images les plus évocatrices qui ont essayé de décrire ce génie éducatif chez Giussani nous a été offerte par le père Angelo Scola lorsqu'il a parlé de pensée source. Pour rester dans cette métaphore, je voudrais rappeler une phrase tirée du sens religieux qui exprime non seulement la vision de l'homme de Giussani, mais qui nous révèle la conscience que Giussani lui-même avait de lui-même, de son génie, de l'origine de sa pensée et de son action, sa conscience de lui-même. Je cite cette phrase. « Je me perçois comme un flot naissant d'une source. Il y a quelque chose d'autre qui est plus que moi et qui me fait. Si le flot d'une source pouvait penser, il percevrait au fond de son frais écoulement une origine qu'il ne connaît pas, qui est différente de lui. Ainsi, en dépit de toutes les images, le paradoxe de ce génie chez Giussani s'appelle obéissance. Dans le sens latin de ob audire, c'est-à-dire écouter et répondre à la voix d'un autre, à travers les paroles de la réalité, à travers l'appel objectif de la réalité de l'Église. Donc le génie comme la disponibilité, la vigilance, l'attention, une tension vers le vrai, une pauvreté d'esprit. Combien de fois Giussani a dit « Celui qui génère, c'est celui qui est généré » et lui-même l'a vécu en première personne. Je tenais à approfondir cet aspect pour montrer que cette forme de génie a transmis dans la forme et le contenu ses dons qui petit à petit se sont dégagés et sont devenus, à travers sa réflexion critique et systématique, le génie d'une pensée et d'une proposition de vie. Dans l'action, des concepts tels que l'anthropologie, l'éducation, la pédagogie, la didactique, des propositions sociopolitiques même, pour une éducation, tous ces termes convergent. Mais dans le contexte du discours du pape, je voudrais souligner ces aspects dans leur déploiement dans l'espace et dans le temps, dans la façon dont ils émergent à l'intérieur de ce rapport. Donc je voudrais donner des exemples de ce génie. Un premier reflet que ce génie suscite concerne le regard sur la structure humaine, qu'on peut appeler anthropologie. Dès son enfance, Giussani avait une curiosité très marquée, un esprit d'entreprise, une observation attentive de la réalité qui l'entourait. Et en particulier dans les souvenirs qu'il nous a laissés, l'un des points les plus vifs qui l'ont formé, a été le fait qu'il était introduit à la conscience d'un rapport. Le rapport entre le détail quotidien et le sens, entre le détail et la totalité. Lorsque sa mère lui rappelait de prier pour ceux qui sont en difficulté, lorsque sa mère reliait la beauté des étoiles avec les étoiles, il créait une synthèse puissante, un lien, une religio entre le moi et la totalité, entre le moi et Dieu. Et c'est une synthèse que Giussani a pu approfondir au séminaire grâce à ses maîtres qui l'ont
invité à approfondir le lien entre la raison humaine et la grâce de la foi. Entre l'interrogation de l'homme, l'interrogation qu'est l'homme, et la réponse de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et cette synthèse a trouvé son accomplissement dans le beau jour dans lequel Giussani s'est rendu compte que ce lien était devenu dans l'histoire une réalité présente. Le Verbe s'est fait chair. C'est quelque chose de l'autre monde dans ce monde, disait-il. Cette vision même de l'homme en tant que créature qui s'accomplit dans le Christ, profondément mêlée à sa vie personnelle, était aussi le bagage avec lequel Giussani est monté sur le train, dans le train qui allait le conduire de Milan à Rimini et où ce dialogue inépuisable a pris à nouveau forme et contenu. Donc imaginons que nous montons nous aussi dans ce train et voyons le compartiment, comme s'il dans une photographie et voyons comment la mission prend une forme particulière. Dans ce compartiment, il y a des jeunes. Il y en a qui ont honte de parler de ces thèmes. Certains veulent le tourner en dérision. Et Giussani, non seulement à cause de ses vêtements qui l'ont désigné en tant que prêtre, il observe, il écoute, il ne laisse pas tomber la question. Il la prend au sérieux et il s'aperçoit que le problème ne se situe pas au niveau éthique, mais au niveau de la connaissance. Et il parle d'ignorance. Il trouve ces jeunes terriblement ignorants. Il aurait pu utiliser une autre définition. Il aurait pu donner un jugement totalement différent. Mais il perçoit que le problème de l'affection ou du manque d'affection envers soi-même et son propre destin, et surtout une question de connaissance. Et c'est là que naît ce que nous pourrions appeler l'intuition et l'intention éducative de Giussani. En ce sens, cette intention s'est approfondie surtout à l'intérieur du contexte le plus sensible et le plus fécond par rapport à cette intuition, le contexte de la jeunesse, mais il s'agit toujours plus d'une question qui concernait chacun et tous. Elle concerne avant tout l'enseignant face à ses élèves ou le parent face à ses enfants, mais elle concerne aussi le médecin face à son patient, l'ami face à son ami, le regard face à la maladie ou à la mort, et moi maintenant qui sont face à vous. Cette dimension éducative concerne aussi ma propre conscience de moi-même. Donc affronter la question éducative au niveau de la connaissance signifiait à la fois remettre au centre la structure humaine comprise comme lien, comme religiosité, sens religieux, mais surtout accompagner les jeunes à la conscience de ce lien, à la conscience de son accomplissement et donc à leur propre conscience d'eux-mêmes. Pour Giussani, il est clair qu'affirmer une religiosité ne suffit pas en soi si on n'arrive pas à la conscience et aux raisons de celle-ci, à la conscience de la dynamique qui constitue l'homme. C'est comme s'il disait « avoir conscience de ce beau jour fait partie du beau jour lui-même ». Donc en ce sens, l'éducation est synonyme d'une métanoïa. Nous savons que ce mot signifie accomplir, réaliser un parcours, oser dépasser une vision naturaliste du moi en lui redonnant la dignité qui lui revient, c'est-à-dire la dignité d'être lien. En effet, c'est méta-nous, c'est-à-dire penser au-delà, penser au-dessus, un changement de réalité. Donc, il s'agit avant tout de retrouver la conscience de la structure humaine comme lien, comme anthropologie, et favoriser une métanoïa, c'est-à-dire une conscience de soi. Et aujourd'hui, c'est une mission qui est plus que nécessaire. Mais comment le faire? Nous sommes en 1953 et en parlant avec certains responsables de la pastorale éducative, Giussani dit à un moment donné,
toute cette emphase et ce rappel plein d'énergie est tout à fait juste. Mais il faut trouver une méthode pour le transmettre. Autrement, on ne le comprend pas. Il nous faut une méthode. Et cela, c'est le niveau de la question. Paradoxalement, cela pourrait être perçu comme une stratégie pour un but donné. Et dans ce cas-là, maladroitement, elle serait condamnée à s'épuiser. Mais la méthode telle que la propose Giussani, non seulement elle perdure, mais c'est une question qui nous saisit existentiellement et qui est intéressante aujourd'hui encore. Elle ne se perd pas au point qu'un pape la remet au centre et fait que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous saisit dans cette méthode ? C'est que c'est la méthode même du christianisme. C'est le christianisme. C'est-à-dire le fait d'être non seulement une voie, un chemin entre l'homme et Dieu, entre l'homme et le destin, mais dans le scandale de l'incarnation, c'est le fait d'être contemporain à la fois vérité et vie. C'est une voie, une méthode qui est une vie, c'est une vie qui est une méthode. C'est cette contemporanéité qui nous fascine. Il n'y a pas d'avant et d'après, ce n'est pas l'application d'un principe, mais elle est déjà là. Tout est terriblement là, dans l'instant que je vis. La voie, le chemin, la vérité et la vie. Une contemporanéité dont Giussani a essayé d'expliquer non seulement la nature des éléments en jeu, mais aussi leur interaction. Je cite sa réponse à une interview, parce qu'elle montre bien combien ces agents sont contemporains. Giussani dit, sur le plan pédagogique, c'est seulement face à la réponse adaptée que la question, l'interrogation est perçue dans ses facteurs, dans sa vérité. Donc, d'abord la réponse et ensuite, je m'arrête pour expliquer l'interrogation. Et en même temps, ce n'est pas mathématique, parce que l'interrogation peut être confusément pressentie comme une insatisfaction de ce que l'on a. C'est un aspect négatif qui peut être une prémisse. Mais dans le jeu vivant, une fois que l'on a établi l'insatisfaction, c'est l'offrande d'une réponse qui permet de percevoir l'interrogation comme constitutive de cette insatisfaction. Donc une interaction qui s'est traduite... Donc, on peut relire l'intervention de Giussani à Rome en 1998. C'est cette interrogation à laquelle Giussani a donné le nom d'expérience. Un concept décisif qui est débattu aujourd'hui encore, précisément parce qu'on peut le réduire, c'est-à-dire réduire le terme d'expérience au fait d'essayer des choses. Et Giussani en a souvent parlé. Il y a beaucoup d'équivoques possibles. Et c'est pour cela qu'en 63, donc 10 ans après l'intuition que je viens de citer, donc au bout de 10 ans de pratique, Giussani écrit les célèbres 3 pages qu'il adresse au futur pape Paul VI pour le tranquilliser par rapport à des déviances possibles. Et il établit le canon, en quelque sorte, de cette expérience. Et on trouve ce texte à la fin du risque éducatif. L'expérience est composée de la rencontre, la grâce et la conscience de la correspondance. Mais Di Mauro, tout à l'heure, va entrer dans le détail de ceci. Donc la conscience de la correspondance, Giussani insiste pour souligner que c'est la correspondance entre le sens, entre deux sens. Donc pour réaliser une métanoïa, il ne s'agit pas simplement d'une correspondance tout court, mais de la conscience d'une correspondance. Qu'est-ce que cela signifie ? Se rendre compte dans une situation donnée qu'émerge quelque chose de vrai. Et de le reconnaître. Donc une correspondance, non pas avec la réalité en tant que telle, mais comme
une traversée de la réalité dans laquelle l'expérience élémentaire est l'instrument parce qu'il est originel et il nous force à entrer, à pénétrer l'apparence de la réalité. Si un jeune peut, dans sa vie, prononcer ces paroles, dire « je suis toi qui me fais » avec toute sa conviction, avec toute son affection, il sera un spectacle pour lui-même et pour les autres. Comment Giussani a-t-il vécu lui-même cette correspondance? Comment a-t-il vécu son génie? Comme une surprise, comme un sens de disproportion, comme une interrogation, une joie et une certitude. Lorsqu'un journaliste lui a demandé « Comment est-ce que vous vous définissez ?», il a répondu. Et on revient au début. « Je suis un pauvre type. Je comprends que Dieu m'a fait beaucoup de cadeaux dans la vie. Il m'a donné de voir, de sentir, de rencontrer une foi vivante et une vie d'église qui est vraiment grande. Et à la lumière de tout cela, je me rends compte que j'ai été incohérent et que j'ai manqué de générosité. » Mais je n'arrive pas à ne pas être enthousiaste de ce que Dieu m'a donné de penser, sentir et rencontrer. Merci. Monica aussi, comme vous venez d'écouter, a souligné cette dynamique éducative dans la pensée de Giussani, qui consiste à accompagner les jeunes à la recherche d'un sens. Et ceci, c'est un chemin long, fait de plusieurs étapes. Le professeur Di Martino a travaillé ces dernières années sur un approfondissement de la pensée de Don Giussani, auquel nous devons la création d'un projet que nous avons créé pour le centenaire de la naissance de Don Giussani. Donc, nous sommes en train de travailler sur 3 volumes sur la pensée philosophique, théologique et pédagogique de Don Giussani. Et ce dernier volume, Introduction à la réalité totale, a été justement imprimé pour ce meeting. Donc, je te demanderai, Di Martino, de nous expliquer les mots-clés de ce parcours qui a été reconnu comme génial pour aujourd'hui. Merci, et merci pour l'invitation et pour cette possibilité. Je voudrais essayer moi aussi d'évoquer ce qui me semble être les raisons de ce génie pédagogique, en référence à la fois à l'éducation, à la fois, et en même temps à l'éducation en général. Je vais faire un parcours en 4 étapes dynamiques, nerveuses, et j'espère être claire dans ma communication. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà les raisons pour lesquelles Giussani abandonne la théologie pour aller enseigner la religion au lycée en Italie. Grâce à de nombreux dialogues, dont je vais parler très brièvement, il s'aperçoit que les jeunes sont loin de la foi, dans une Italie qui pourtant, à l'époque, semblait encore massivement catholique. Son diagnostic était qu'à la racine de cet éloignement, il y avait un manque de propositions et de méthodes, avec une éducation qui n'était pas suffisante et qui était liée à une faiblesse dans l'annonce chrétienne. Donc, première étape, premier titre. Giussani pose le problème de la méthode chrétienne. Ce que Giussani dénonce, c'est une façon de proposer le christianisme qui ne respecte pas les données originelles du message. Quelles sont ces données? Je le cite, « Un divin qui s'est fait homme, un homme qui mangeait, buvait, dormait, que l'on pouvait rencontrer en route. » Ces paroles changeaient à l'intérieur, mais elles venaient de l'extérieur. C'est-à-dire, il continue, le message chrétien est un fait intégralement humain, selon tous les facteurs de la réalité humaine, qui sont à la fois intérieurs et extérieurs, subjectifs et objectifs. Pour Giussani, il s'agissait de rester fidèle à cette intégralité,
qui est permanente, elle est structurelle dans le message chrétien. Et c'était véritablement cette intégralité, à son avis, qui manquait. À la racine de la pédagogie jussianienne de la foi, il y a l'intuition vive du fait chrétien comme une réalité présente ici et maintenant. Ou, pour le dire en d'autres termes, qui viennent toujours de lui, la conception du christianisme comme un événement qui s'est produit il y a 2000 ans. Dieu s'est fait chair dans le ventre d'une jeune fille qui s'appelait Marie, mais qui persiste dans l'histoire comme un événement qui arrive et nous surprend encore aujourd'hui. Et notre présence ici en atteste. Il nous surprend là où nous vivons et il a le visage de la compagnie qui est née du Christ et qui est arrivée jusqu'à nous, l'Église, qui est son corps. La forme de sa présence aujourd'hui, faite de personnes en chair et en os, guidées par l'évêque de Rome. Donc le fait chrétien, aujourd'hui, on peut le rencontrer en rencontrant des personnes qui ont déjà réalisé cette rencontre et dont la vie a été déjà en quelque sorte perturbée par celui-ci. Elle est devenue plus humaine en s'offrant, avec toutes ses limites, comme étant pleine de force d'attraction et de promesses pour ceux qui la rencontrent. C'est cette reproposition claire et décisive du noyau essentiel du christianisme qui devient chez Giussani une méthode d'évocation et d'éducation à la fois. Un génie pédagogique, l'art de faire des pas. Si l'on reste fidèle aux aspects originels du message, on peut dire, pour faire court, que tout change. Ce qui s'est produit il y a 2000 ans, le chemin humain des apôtres avec Jésus, l'émerveillement pour sa présence, le fait de le suivre, le fait d'assister aux miracles, de grandir dans la certitude avec lui, l'interrogation sur ce qu'il est véritablement, même s'il savait tout ce que l'on pouvait savoir de lui, tout cela n'est pas seulement une expérience du passé. C'est une expérience qui est possible dans le présent. La même expérience, les mêmes étapes, la même pédagogie à partir de l'événement d'une rencontre, aujourd'hui exactement comme à l'origine. Parce que si Dieu, le mystère, s'est fait chair, comme une présence intégralement humaine, une présence intégralement humaine implique la méthode de la rencontre. Si les données originelles de l'annonce ne sont pas respectées, tout devient métaphorique ou intérieur. La rencontre, l'émerveillement, le fait de suivre, etc., perdent leur intégralité. Donc on les réduit à quelque chose de métaphorique ou de purement intérieur. Et la pédagogie qui conduit à la foi ne peut alors pas se développer correctement. Elle se réduit facilement, par exemple, à un sens de doctrine ou de morale, ou bien à des modèles socio-pédagogiques ou psychologiques qui évoluent selon la mode. Deuxième point, Giussani a en ligne de mire une révolution éducative. Si le christianisme est un fait, un événement, alors il sollicite toutes les dynamiques humaines. Il les implique, il leur permet de se dégager, il les rend visibles. Une pédagogie de la foi ne peut être étrangère ou parallèle à une pédagogie de l'humain. Pour Giussani, l'éducation chrétienne porte à leur point culminant les facteurs constitutifs d'une éducation humaine. Et en même temps, il les éclaire. Je cite, « La première caractéristique de l'éducation devrait être de educere, c'est-à-dire donner la liberté, donner de l'air à ces éléments que la nature met dans l'être qui vient au monde pour réaliser sa propre personnalité. Éduquer, c'est faire sortir ces éléments, mais alors, ce qu'il y a de plus important dans une éducation, la première préoccupation qu'il faut avoir, c'est le respect, l'attention, la fidélité à ces éléments originels que la nature enferme dans la semence humaine. Autrement, on crée des monstruosités, des partialités ou bien des développements provisoires que,
qui mènent inévitablement à la mort. Par exemple, une éducation à la foi qui ne peut pas être parallèle. Les dimensions que met en valeur une éducation à la foi, autorité, suivre, la vérification, la communauté, ne peuvent pas ne pas faire partie d'une éducation à l'humain si elles sont comprises correctement. C'est pour cela que j'ai parlé de révolution pédagogique que Giussani veut réaliser par rapport au panorama dans lequel il se trouve. Je cite un texte de 1960. Ce que nous voulons, c'est changer l'éducation en tant que telle. Autrement, nous ferons toujours un effort de 100% pour obtenir 0,01%. Tandis qu'une éducation qui essaye de se construire en respectant les facteurs originels, la donnée originelle de l'être et de la personne, alors les résultats seraient beaucoup plus facilement 7, 8, 9%. Troisième étape, troisième titre. Le risque éducatif. Giussani reflète à plus reprises sur une éducation qui essaye de se construire en respectant les facteurs originels. Beaucoup de ses réflexions sont rassemblées dans son livre pédagogique qui s'appelle « Le risque éducatif ». Très brièvement, parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces points, et puis en lisant « Le risque éducatif », on pourra les trouver de façon plus détaillée. Éduquer, au sens général, signifie pour lui introduire un individu à la réalité dans son ensemble. C'est-à-dire encourager d'une part le développement intégral de toutes ces structures et d'autre part l'affirmation de toutes les possibilités de connexion active de ces structures avec la réalité. En vue de ce but, Giussani dégage quatre facteurs essentiels. Le premier, pour éduquer, il faut proposer de façon convenable le passé. Ça vaudrait la peine de s'arrêter là, mais je vois le décompte sous mes yeux, donc je ne peux pas poursuivre. Je passe rapidement. C'est un premier facteur qui implique surtout la responsabilité des parents. Ils ne doivent pas se retirer dans leur mission. Ils ne doivent pas craindre de transmettre l'héritage, de proposer à leurs enfants les sens et les valeurs qui orientent leur vie. Il y a une observation très intéressante de Giussani qui dit « Le fait qu'en famille tout se vale produit un scepticisme qui est difficile à déraciner parce qu'elle introduit la suspicion qu'il n'y a pas de sens et cela bloque la capacité de découverte du jeune. » Deuxième facteur. Le premier facteur trouve son moment existentiellement mobilisateur dans la figure de l'autorité. On ne peut proposer le passé aux jeunes qu'à travers un vécu qui en souligne la correspondance avec les exigences ultimes du cœur, c'est-à-dire dans un vécu présent qui donne ses propres raisons, c'est-à-dire l'auctoritas, ce qui fait grandir. Dans la pensée de Giussani, l'autorité, c'est la présence dans laquelle la richesse de la tradition se condense de manière exemplaire et s'explicite avec ses propres raisons. L'autorité montre la vérité d'une proposition, la capacité de s'accorder avec les exigences humaines et d'éclairer le présent existentiel. On devient soi-même en suivant les autorités qui se présentent au long du chemin humain. Et c'est une loi qui fait partie de la structure universelle de l'expérience, une méthodologie propre à la nature éducative. Et cela vaut pour la vie tout entière, nous le savons, si nous vivons en réfléchissant à ce que nous vivons. Troisième facteur, et là, cela va peut-être un peu nous déconcerter. La véritable éducation, je cite Giussani, doit être une éducation au sens critique. Chez Giussani, l'insistance est constante sur la nécessité de la critique. Crino, valiare, c'est-à-dire évaluer, c'est-à-dire la confrontation entre la proposition et l'ensemble d'exigences et d'évidences qui caractérisent originellement l'humain.
pour rendre raison de ce qui nous a été proposé et en saisir de façon consciente la vérité. Il écrit « Le jeune reçoit une hypothèse du passé à travers un vécu présent qu'il rencontre et il lui en donne les raisons, mais il doit prendre ce passé, ses raisons, se les mettre sous les yeux et les comparer avec son cœur pour dire « c'est vrai, ce n'est pas vrai, je doute ». Ainsi, avec l'aide d'une compagnie, il peut dire oui ou non. Et c'est ainsi qu'il acquiert sa physionomie d'homme. Et Giussani, c'est intéressant ce qu'il dit à ce sujet, parce que nous avons eu trop peur de cette critique. Ou bien, si l'on n'en a pas eu peur, on l'a appliquée sans savoir de quoi il s'agissait. On ne l'a pas appliquée correctement. La critique a été réduite à son aspect négatif, alors qu'elle est avant tout l'expression du génie humain qui est en nous. Une génie qui est tout entière tendue à découvrir l'être, à découvrir les valeurs, dit Giussani. On voit ici la différence extrêmement profonde entre l'éducation et l'homologation. L'éducation et l'endoctrinement. Ici, dans l'invitation à la critique, qui fait que Giussani, à chaque première heure de cours, disait les paroles suivantes, les paroles que Savonarola a rappelées au début. Pour Giussani, la critique s'introduit dans un ensemble plus grand que dont Giussani appelle vérification. Il dit « Il ne suffit pas de proposer clairement un sens des choses et il ne suffit pas non plus une intensité réellement, qui vient réellement d'une autorité chez qui le propose. Il faut susciter chez l'adolescent un engagement personnel avec sa propre origine. Il faut que la tradition qui est proposée soit vérifiée. Et cela ne peut venir que de l'initiative du jeune et personne pour lui. Voilà le véritable problème de l'éducation. Provoquer l'engagement nécessaire pour vérifier l'hypothèse. Sans vérification, la tradition ne peut pas devenir conviction. Et elle ne peut pas non plus être rejetée si elle n'est pas considérée comme non fondée. Dans l'éducation religieuse aussi, Giussani percevait la présence d'un certain rationalisme ou d'un intellectualisme pédagogique qui considère tout déjà résolu avec la démonstration rationnelle, en proposant des formules toutes faites. Alors que cela n'est que la prémisse, la première étape. Que signifie vérifier? Cela signifie s'engager à affronter la réalité, c'est-à-dire toute la problématique à laquelle le développement de la vie expose, en fonction de la proposition de sens que l'on a reçue et que l'on voit à travers la présence qui fait autorité pour découvrir à quel point elle est la clé de voûte de toutes les rencontres et qu'elle se réfère à tout ce que l'on vit, et donc elle éclaire de façon résolutive les expériences. Il y a une condition de la vérification, il y en a trois, mais je n'en cite qu'une parce que j'ai peu de temps. C'est la densité d'une compagnie humaine. La critique et la vérification seraient velléitaires, elles seraient perdues d'avance s'il n'y avait pas le soutien d'un lieu, d'une communauté. Sans une densité de compagnie. Sans cela, non seulement le jeune, mais même l'adulte, est trop facilement à la merci d'une réalité qui est stimulée par le contexte, l'environnement. Il n'y a rien de plus stimulant pour une proposition Aujourd'hui, nous pouvons dire que cet individualisme s'est radicalisé. Le dernier aspect des quatre facteurs est le risque éducatif. Parce que la vérification implique la liberté de celui qui expérimente. Et plus un éducateur aime le développement de la personnalité de celui qui l'éduque, plus il aimera sa liberté jusqu'au risque, sans chercher à le protéger par peur,
ou à exercer un libertarisme qui n'a pas de sens. Donc, quatrième point, éduquer, c'est la question essentielle pour le développement humain. Très peu ont perçu, comme Giussani, l'urgence éducative. Dans une rencontre avec des étudiants, il observe « Tout ce qui est humain est le fruit d'une éducation. Comment est-ce possible ?» Giussani cite à plusieurs reprises une œuvre d'André Gide, la Symphonie pastorale, qui contient l'histoire de Gertrude, une jeune qui a survécu dans un état de semi-abandon, dans une condition presque animale, aveugle, sans éducation, au point qu'elle paraît même sourde et stupide. Et il la cite pour, en se référant à la première partie du roman, qui dit que l'homme se développe en relation avec l'autre. L'autre est à la fois originellement nécessaire pour que l'homme existe, et il est tout aussi nécessaire pour que l'homme se réalise, devienne vrai, qu'il devienne toujours plus lui-même. Le développement de l'humain ne se produit que là où il y a l'éducation. L'éducation est la clé de l'humanisation de la vie. Le problème essentiel pour le présent est la réalisation d'une société, le point essentiel d'une civilisation. Et il faut dire que la réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'il n'y a d'éducation que là où on trouve déjà l'humain. L'humain est donc à la fois un présupposé et un résultat, une structure originelle, native, comme le dit Giussani, et une réalisation historique, une condition et un résultat. Or, le fait que ce qui est humain n'est pas seulement une origine, mais aussi un résultat, explique le sens profond de l'éducation qui rend raison de sa nécessité. La situation d'un individu, d'une communauté, d'une société, d'une civilisation se décide dans cet espace qui va de son origine à son résultat. La nécessité structurelle de l'éducation est inscrite dans cette tension entre l'humanité comme présupposé et l'humanité comme résultat. Je termine avec trois phrases. Dans la perspective de ces considérations, à savoir que la provocation dans laquelle nous grandissons n'est pas indifférente, les rencontres qui nous font grandir. Giussani répète la portée du christianisme. Et quelle est cette portée? C'est l'événement du Christ, c'est la rencontre historique avec le Christ. Voilà la forme de la provocation qui met de façon complète en action notre humanité originelle, qui la dévoile dans toute son amplitude. À la fois, elle lui correspond et en même temps, elle l'active à son point culminant. Elle la fait émerger dans sa profondeur ultime. Ce n'est pas seulement un contenu doctrinal, mais une expérience historique qu'il faut réaliser aujourd'hui dans la rencontre existentielle, humaine, concrète, avec le visage que la présence du Christ revêt là où chacun d'entre nous vit. C'est seulement si une rencontre se produit et éclaire la vie sans égale que peut s'ouvrir ou se rouvrir à une découverte vitale du christianisme. Giussani en était persuadé. Et c'est le désir d'être instrument de cette expérience qu'il a demandé d'abandonner la carrière théologique et d'enseigner la religion au lycée. Heureusement qu'il l'a fait, autrement, aujourd'hui, nous ne serions pas ici. Ecco. Voilà, toute la richesse de contenu que nous venons d'écouter. La fascination de cette proposition n'est pas laissée à la tentative solitaire de notre effort, parce que grâce à Dieu, la tentative de Don Giussani, il est possible aujourd'hui, dans un lieu précis, il y a un lieu qui a comme but immédiat celui d'activer
l'humanité de chacun d'entre nous afin qu'on puisse trouver le sens et notre réalisation. Donc je prends ces 30 secondes pour vous lire une phrase de Don Giussani qui est comme une grande préface à tout ce travail qui nous a été indiqué aujourd'hui comme travail d'éducation à la vie et que le mouvement de communion et libération a proposé comme thème principal pour les vacances qui se sont tenues au cours de cet été 2023 et qui termine avec ce grand événement du meeting. Don Giussani dit, je pense que c'est la prémisse de toute sa proposition éducative. Commençons à juger. C'est le début de la libération. Si l'on veut devenir adulte sans être aliéné, esclave d'autres, instrumentalisé par les autres, il faut que nous nous habituions à comparer tout avec notre expérience élémentaire. Je sais que je propose un devoir qui n'est pas facile et qui n'est pas populaire. Et nous devons en être conscients. Parce que d'habitude, tout est affronté à partir de la mentalité commune qui est soutenue par ceux qui détiennent le pouvoir. Mais le défi le plus audace envers cette mentalité qui nous domine et qui décide pour nous de toutes choses, à partir de notre esprit jusqu'aux habits que nous portons. Donc le défi le plus grand pour lutter contre cette mentalité, c'est de tout comparer à la lumière de nos exigences originales et de ne pas suivre seulement nos réactions. Et donc, qu'est-ce que le meeting si ce n'est pas une tentative que l'on peut perfectionner de rendre habituel et familier quelque chose qui ne l'est plus dans notre société. Il s'agit de juger, de critiquer et Giussani dit que c'est le début de la libération, de cette aliénation. Et donc, pour ceux qui sont venus au meeting, comment ne pas comprendre le fait qu'il est précieux d'avoir un lieu comme ça, où nous sommes éduqués à cela. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous peut participer avec toute la liberté en offrant une petite contribution, même une toute petite contribution, mais qui est décisive afin que ce lieu, cette réalité existe. Alors je vous invite à donner ce que vous pouvez dans les points, dans les stands que vous trouverez à l'intérieur du meeting, afin que cette expérience unique, je ne le dis pas par présomption, mais par reconnaissance du fait que le mystère a permis que ce meeting existe et qu'il puisse continuer à croître et être un lieu de libération pour tout le monde. Donc je vous rappelle aussi que pour tous ceux qui sont intéressés à approfondir les thèmes que nous avons touchés aujourd'hui, il y a un site scritti.donluigigiussani.org où vous pouvez retrouver tous les écrits de Don Giussani dans leur forme intégrale. Donc je remercie tous les relateurs d'aujourd'hui et bon meeting à vous tous. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Yes.
Innanzitutto non è un modo di sentire. Okay, wonderful. Thank you so much. Non solo si tratta di un fatto. Yes. Di un avvenimento. Thank you. Bye bye. Ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90€ al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.